Sargeras believed the only way to spare the universe from the Void Lords was to purge it of all life. The fallen Titan and his army set forth upon their first planet, extinguishing entire species without mercy. As news of the devastation spread, Sargeras was confronted by his former student, Agrimmar. When Agrimmar's words would not sway the Legion's leader, swords were drawn. Blow after blow, the duel raged between the powerful Titans until their weapons shattered. Wounded, Agrimmar returned to the Pantheon to report on Sargeras' betrayal and the coming war. As the Pantheon prepared to fight back, the other Titans pleaded with Sargeras to stand down. Sargeras refused, attacked Agrimmar, and charged his demons forward. The Burning Legion's might was unmatched, and it consumed the Pantheon in an apocalyptic fellstorm. Furthering his ambition, the victorious Sargeras visited three leaders of the Eredar, promising them power and knowledge in exchange for loyalty. Archimonde and Kil'jaeden joined the Legion. The third, Velen, saw the horrors ahead and fled with his people, who would become known as the Draenei. Sargeras and the Burning Legion made chase, hunting down the exiles and setting their sights on Azeroth. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu de ces deux vidéos de lore qui arrivent, donc ça s'appelle Lore in Shorts, elles sont pas disponibles encore en anglais, elles ne sont disponibles qu'en français. J'ai la voix un peu pétée, je reviens de la Zilan, j'espère que ça n'occultera pas trop l'écoute de cette vidéo, mais c'est assez intéressant puisque au final WoW Classic n'avait pas amené de vidéo sur l'histoire justement du monde, de l'univers de Warcraft. À l'inverse, Burning Crusade classique, on en profite pour balancer eh bien 2-3 petites vidéos d'information, ce qui est assez intéressant. J'aime beaucoup l'initiative, je suis très fan de ce genre de choses. C'est toujours intéressant que beaucoup de monde ait plus facilement accès à l'histoire de Warcraft, donc ça c'est un peu ce que je fais aussi avec mes vidéos, même si on essaye d'approfondir, c'est toujours important que la plupart des joueurs aient, on va dire, cette première lecture, ce premier support. Alors, petit problème à l'heure actuelle, hein, j'en ai fait part à Blizzard d'ailleurs, mais bah, ils sont pas trouvables en français, ils sont trouvables qu'en anglais. Alors on va revenir un petit peu dessus. J'avais pas fait de vidéo sur la première vidéo, déjà je pensais qu'il y en aurait qu'une seule, et tout simplement parce que bah, il y avait pas grand chose à dire, alors peut-être que je suis passé à côté d'autres choses, mais comme il y en a une deuxième qui est arrivée, là je me suis dit que c'était l'occasion de faire un petit rappel de tout ça. Puisque, qu'on soit clair, l'histoire de cette vidéo, comme vous le voyez, c'est Lore in Short. Donc Lore in Short, en gros, l'univers, l'histoire en petits morceaux. Le principe, c'est justement du coup de revenir sur des choses assez importantes de l'histoire de Burning Crusade. Et ce qui est assez intéressant à noter, c'est qu'on a marqué World of Warcraft Burning Crusade classique. Donc ça revient sur l'histoire de Burning Crusade. Je sais que certaines personnes de mauvaise foi m'ont dit non, mais c'est pas l'histoire de Burning Crusade. Quand il y a marqué Burning Crusade classique en titre en haut, si. C'est en rapport avec Burning Crusade. Et évidemment qu'ils ne le sortent pas au moment du lancement de Burning Crusade pour rien. Hein. C'est évidemment l'histoire de Burning Crusade. Et du coup, c'est pour ça qu'ils parlent de la Légion Ardente. C'est la vidéo qui parle de la Légion Ardente. Ce qui est assez intéressant, et premier point, c'est les images choisies sont rarement mises au hasard. Premièrement, regardez cette image à l'arrière, c'est tout simplement une des images de Chronicles. Une image de Chronicles, donc écrite à l'époque de Légion, dans le contexte de Légion. Donc Légion, hein, je le rappelle, l'extension de World of Warcraft, pour ceux qui ne le savent pas. Et on a tout simplement donc la couverture de Chronicles. Alors c'est pas celle de la Légion Ardente, d'ailleurs ils auraient pu mettre celle de la Légion Ardente que tout le monde connaît. C'est avec un grand Sargeras en très grand et avec ses démons au premier plan. Et alors là, elle est réduite en un petit peu à l'image de Diablo d'ailleurs, en marron, beige, etc. pour faire un peu manuscrit. Et en fait, cette image, eh bien, tout simplement, c'est celle de Burning Crusade. C'est celle du chapitre dédié à Burning Crusade. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez, hein, très reconnaissable, les orques sur le côté avec leur armure vanillesque, tout simplement. Je n'irai pas plus loin dans les détails, mais du coup, avec leur armure vanillesque. Et ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, bah, celui qu'on voit en haut, en gros, c'est tout simplement Kazakh. Et donc, premier point très important, on vous dit c'est l'histoire de Burning Crusade, on vous met une image de Chronicles de Légion en fait. Alors vous allez me dire, bah non, tu viens de dire que c'était le chapitre lié à Burning Crusade. Oui bien sûr, dans un contexte d'écriture Légion. Donc ça c'est assez intéressant, puisque là vous voyez quoi? Vous voyez du coup les aventuriers qui viennent se friter avec la Légion Ardente, puisque c'est Kazakh. C'est Kazakh le grand seigneur de la Légion Ardente. Donc là vous avez le contexte d'époque. Tu nous as même fait une vidéo Burning Crusade, le pré-patch de Burning Crusade, où tu as dit bah justement on allait affronter Kazakh. Ouais, ça c'est le pré-patch, ouais.
Burning Crusade, vous allez affronter Illidan, vous allez affronter Kel'Thas, vous allez affronter Damvash, vous allez affronter Zul'jin, vous allez affronter Mactéridon, vous allez affronter surtout des Illidari. Hein. Très très peu de... À part Kil Jaeden bien sûr sur la fin de Burning Crusade, sinon, il n'y a pas... la Légion elle est quasiment absente. Vous allez me dire, mais non, mais Kazak aussi revient en tant que World Boss. Ouais, en tant que World Boss. Est-ce qu'il y a un raid autour de Kazak? Est-ce qu'il y a un raid autour de la Légion Ardente? Non. Ce sont que des raids où vous allez péter la gueule d'Illidari. Donc... Évidemment, là, vous allez vous dire, oula, putain, il attaque fort, pourquoi il va nous refaire une vidéo où il casse du Burning Crusade? Non, l'objectif n'est pas celui-ci. Vous prenez comme vous voulez, bien entendu. L'objectif, c'est de revenir sur deux vidéos qui viennent d'arriver, donc de l'actualité, qui sont liées à l'histoire de Burning Crusade. Et moi, je vais essayer d'analyser ça pour vous montrer que c'est assez pernicieux ce que fait Blizzard, mais compréhensible. On va y venir, compréhensible aussi. C'est que, bah, en fait, c'est pas l'histoire de Burning Crusade. C'est pas l'histoire de Burning Crusade, c'est l'histoire de Légion. Et c'est l'histoire de Warcraft 2, Warcraft 3. Mais ce n'est à aucun moment l'histoire de Burning Crusade. Et du coup, attention à ce genre de choses aussi. Travaillez votre esprit critique, même à l'égard de mes propres vidéos d'ailleurs. Hein. Mais travaillez l'esprit critique. Regardez bien ces images. Elles ne sont pas là par hasard. Ce n'est pas choisi par hasard. Il y a une véritable volonté. Et en l'occurrence, donc là, on nous rappelle l'histoire de Sargeras. Hein, c'est la vidéo de la cosmogonie que j'ai pu faire. C'est l'histoire de Sargeras avec le fait... Alors d'ailleurs, c'est très intéressant parce Enfin, tu fais l'histoire de la Légion Ardente et tu ne parles même pas du fait... Enfin, c'est quand même une vidéo faire courte pour que ce soit accessible. Il n'y a même pas de présentation de Sargeras. Donc bon, bah, si tu sais pas qui est Sargeras, ouais, bah, c'est un grand démon. Tu pourrais te dire dès le départ que c'est un démon. Après, à un moment donné, ils disent oui, Fallen Titan, tout ça. Ouais, bah super, mais si tu connais pas l'histoire des titans non plus, compliqué. Enfin bon, du coup, c'est vrai que je me pose la question à qui est destinée cette vidéo. Est-ce qu'elle est destinée à des mecs qui connaissent? Est-ce qu'elle est destinée à des mecs qui connaissent pas? C'est étonnant. Mec, bien sûr, c'est dans l'idée... pas de sexe prédéfini. En tout cas, donc Sargeras, donc qui a vu les Seigneurs du Vide. Alors l'histoire des Seigneurs du Vide, c'est pas du Burning Crusade, hein, ça. Hein, l'histoire des Seigneurs du Vide, c'est Légion, bien entendu. C'est le contexte de Chronicle, donc c'est du 2016. En gros, c'est du 2016. C'est pas du 2007. C'est pas du 2006-2007. L'origine de Burning Crusade. Donc voilà, le fait qu'il ait vu, les Seigneurs du Vide et qui il est décidé de purger l'univers pour éviter qu'il soit corrompu par les seigneurs du vide, ça c'est du Légion. Donc il va à Sargeras tranquillement, continue à faire ses trucs. Là on le voit passer du côté démoniaque et devenir le chef de la Légion Ardente, envoyer des légions de démons, détruire des mondes, etc. Ça pour le coup ça a toujours été du Sargeras, donc Légion là-dessus revient bien sur ce qu'est Sargeras. Hein. Destructeur de mondes, tout ça, bon ça a déjà dit dans War 2 et War 3, et là-dessus pas de problème, on revient dessus tranquillement. Là on nous parle d'Agrammar, un titan, tout simplement le bras droit d'Archimonde à l'époque où il était au Panthéon des titans. Et Agrammar, on le voit avec ce fameux casque façon Galactus du MCU. Et tout simplement, eh bien, ça c'est quelque chose qui est assez intéressant. Puisque ce modèle n'existait pas à Burning Crusade. C'est-à-dire, ah si, il existait. En fait, c'est un peu bizarre. C'est que Agrammar n'existe pas, n'apparaît pas dans Burning Crusade et on ne le voit pas en fait. Le truc, c'est que du coup, Agrammar, quelles sont les sources qui nous montrent ce genre de choses? Il y en a deux. Légion et Chronicles, bien entendu, et bah, le simple fait que Légion, on affronte à une représentation l'avatar d'Agrammar, et Agrammar même directement. Enfin non, c'est l'avatar d'Agrammar d'ailleurs. Mais en attendant, on a surtout en fait le jeu de rôle, le RPG qui avait montré une apparence ainsi qu'une bande dessinée qui ont été décanonisées depuis, puisque le jeu de rôle n'est plus canonisé. Et n'est plus canonique plutôt. Et au final, ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, quelles sont les sources de ce matériel-là? C'est du Chronicles, donc Légion 2016, et un autre contenu qui est tout simplement lié à Agrammar et qui a été décanonisé avec l'arrivée de Warsaw Jage King, donc vers 2008, quelque chose comme ça, 2008-2009. Ce qui est assez intéressant parce que du coup, d'un côté, c'est du Légion, d'un autre côté, c'est du matériau non canonique et qui d'ailleurs a été récupéré pour travailler sur Chronicles et Légion. Donc en gros, est-ce que c'est du Burning Crusade? Non. Est-ce qu'à Burning Crusade, on vous parle de Sargeras? Alors bien sûr, il va y avoir des trucs de Sargeras, etc. Bien sûr, on sait toujours que Sargeras c'est le patron. À Burning Crusade, on est conscient que Sargeras c'est le patron de la Légion Ardente. Mais est-ce que en soi, on va voir du Sargeras, etc.? Non. Est-ce qu'Agrammar va apparaître à Burning Crusade? Non. Wounded, Agrammar returned to the Pantheon to report on Sargeras. Donc voilà, suite à leur duel, Agrammar va rapporter les agissements de Sargeras au reste du Panthéon des Titans, hein, je le rappelle, de la trahison de Sargeras, tout ça.
et l'arrivée d'un conflit entre le Panthéon et les démons. Le Panthéon se prépare à la guerre et exige la reddition de Sargeras, mais Sargeras refuse, il s'en fout. Alors je trouve ça très intéressant par contre, pour ce visuel, je trouve ça très très cool. Alors évidemment, on a le droit du coup à Eonar et à Mantul qui sont présents pour représenter le Panthéon Titan. Et ce que je trouve super intéressant, c'est d'avoir la vision d'un Seigneur des Abîmes, donc un Pit Lord, qui est honnêtement un démon qui a été pas mal tourné en ridicule, un petit peu comme les Natrissim, comme les Seigneurs de l'Épouvante, qui ont été pas mal tournés en ridicule avec l'avancée du lore de Warcraft. Et au final, le Pit Lord à la base, c'est pas n'importe quoi, hein. C'est quand même des gros gros généraux des armées démoniaques, c'est pas censé être ridicule. Et on les défonce à tour de bras, et même dans les cinématiques, ils ne sont pas respectés, hein, donc le présage sur Illidan est incroyable à ce niveau-là. Donc c'est vrai qu'on a tendance à... Alors est-ce que c'est Manoroth directement? On ne sait pas. Ça pourrait tout à fait être Manoroth bien sûr, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, ce que j'aime bien, c'est que voilà, on t'oppose quand même le Seigneur des Abîmes à des titans. Alors évidemment, on voit des... Je pense que c'est des gangregardes là-bas. Et là, j'arrive pas à savoir si... Pour moi, c'est un Atrésim, ça. Hein. Ça, c'est vraiment l'apparence d'un Atrésim, je dirais. Donc... Les légions démoniaques de l'époque, donc pas de problème à ce niveau-là. Et ce qui est assez intéressant, c'est de montrer que même les titans ont été battus à force. Ça rappelle énormément les Xel'Naga face aux Zerg, hein, bien entendu, mais c'est normal aussi, hein, c'est pas parce que Amantul il claque des doigts et détruit tout qu'il est invulnérable. Non, ça reste des créatures tuables, même si on peut difficilement parler d'immortels. Enfin donc du coup, la puissance de la Légion Ardente a été a consumé du coup le Panthéon dans une tempête de feu incandescente, poursuivant son ambition, Sargeras victorieux va rencontrer un monde et va découvrir trois chefs d'une race présente, à savoir les Eredar, généalogie sur les Eredar, et on y voit un triumvirat, les trois grands seigneurs de cette race, que sont Archimonde, comme ils disent, Archimonde et Kil'jaeden, ainsi que Velen. Et on va y revoir après. Alors ce que je trouve très intéressant, c'est qu'encore une fois, le visuel très très important. Pour le coup, Archimonde n'a jamais changé en termes de visuel depuis Warcraft 3, donc pas de souci à ce niveau-là. Ah, il y a sa ceinture a changé. Sa ceinture a changé. Ça doit être une ceinture de Vought, j'imagine. Je sais pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Parce que sa ceinture a changé avant, c'était une grosse étoile du chaos dans Warcraft 3. Et d'ailleurs, le Reforge a gardé ce modèle de les grosses étoiles du chaos. Mais pour le reste, pas de changement. Kil'jaeden, pour le coup, lui, il y a un changement. On lui met des grosses, grosses cornes de démon. Alors Kil'jaeden, ça a toujours été, qu'on soit clair, il a pas mal évolué en termes d'apparence entre Warcraft 2 et Warcraft 3. Dans Warcraft 2, c'était un démon les plus lambda, le démon. Donc il avait des cornes, et c'est pour ça qu'on lui a remis des cornes par la suite, parce que dans Warcraft 3, c'était un Archimonde, mais version rouge, c'était Archimonde en rouge. Donc ils sont revenus avec Burning Crusade en faisant une... Ça c'était pas mal fait d'un point de vue visuel, et oui je viens de dire que Burning Crusade avait fait un truc pas mal. Ils avaient fusionné l'apparence de Warcraft 2 et celle de Warcraft 3. Donc ils ont gardé le côté Archimonde rouge, mais en lui gardant ses ailes. Je sais plus s'il avait des cornes, je crois pas qu'il ait des cornes dans Burning Crusade. Pour moi les cornes c'est Légion. En tout cas, le reste de l'armure, c'est clairement du Légion. À ce niveau-là, ça, c'est indiscutable. Et du coup, il parle justement du fait que, en rejoignant Sargeras, eh bien, ils vont changer d'apparence. Puisque Archimonde et Kil'jaeden rejoignent la Légion Ardente, ce qui va faire pousser des ailes à Kil'jaeden. Et du coup, Velen, j'aime beaucoup l'artwork de Velen là-dessus. Bon, j'aime pas les épaulettes à la haut, mais j'aime beaucoup le design en fait des trois. Même si, bien sûr, ça c'est du Légion, ça, on sait pas. C'est du War 3 à la base, bien sûr, mais là c'est pas. Et du coup, pour lui, pour le coup, c'est un visual Burning Crusade. Mais au final, eh bien, Velen fuit, donc ça c'est dans l'histoire, il n'y a pas de problème. On repousse des... Alors ce qui est un peu dommage, je dirais, c'est que les cornes sont... Enfin, ils n'ont pas voulu s'emmerder, clairement. Mais ce qui est drôle, parce qu'au final, Archimonde... faut pas oublier un truc, généalogie sur les Draenei, mais bien sûr, mais à la base, faut pas oublier que la Horde, c'était les monstres, l'Alliance, c'était les gentils good boys. Donc qu'est-ce qu'on a voulu faire? On a voulu apporter une nouvelle race qui fait monstrueuse pour l'Alliance, à savoir les Draenei. Et du côté Elfe de Sang, on avait fait venir du coup le beau à l'extérieur, mais le dégueulasse à l'intérieur qui était les Elfes de Sang, et du coup le dégueulasse à l'extérieur avec le beau à l'intérieur qui étaient les Draenei pour l'Alliance. Et au final, ça n'a pas trop bien marché parce que les gens oublient énormément qu'en fait les Draenei, le visuel des Draenei était calqué sur celui d'Archimonde. Et du coup, t'étais censé jouer une sorte de démon du côté de l'Alliance. Sauf que là, c'était des démons qui avaient rejeté leur passé démoniaque. Donc c'était un petit peu à l'image des orques, on va dire. Qui a amené d'ailleurs le chamanisme dans l'Alliance, les Draenei. Donc c'était assez intéressant à ce niveau-là, et au final, le problème c'est que du coup quand tu dis qu'en fait les Eredar étaient avant
et qu'ensuite ils sont devenus démoniaques, il faut donner un changement d'apparence, sauf qu'Archimonde, bah, à partir du moment où ta race a été calquée sur l'apparence d'Archimonde, compliqué de faire évoluer l'apparence d'Archimonde. Du coup, Kil'jaeden, lui, on lui voit, on joue d'elle, ce qui n'est pas le cas pour Archimonde, ce qui est assez drôle à ce niveau-là. C'est l'ironie, c'est assez ironique, mais c'est pas grave, on s'en fout. Du coup, voilà, donc il reparle de l'histoire des Draenei, et je crois que ça se termine là-dessus. Voilà, le fait qu'ensuite Kil'jaeden et du coup notamment Sargeras vont traquer les exilés, hein, les Eredar qui n'ont pas rejoint la Légion Ardente, à savoir les Draenei. Alors je sais c'est Draenei, mais à une époque ça se prononçait Draenei, donc moi je garde l'ancienne, mais vous prononcez comme vous voulez, Draenei, Draenei. Dans tous les cas, vous êtes coincé le doigt dans la porte et vous faites le même bruit. Draenei. Donc on va attaquer la deuxième vidéo. Celle-là, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est juste pas du Burning Crusade en fait, c'est juste au choix du Légion Chronicles, au choix du jeu de rôle, au choix du JDR Warcraft, donc vous prenez celle que vous voulez, mais c'est pas, en tout cas, c'est juste pas du Burning Crusade. Mais c'est pas grave parce qu'en soi, c'est pour présenter un petit peu l'univers, etc. Mais c'est drôle de faire une histoire sur Burning Crusade quand, au final, bah, ces figures-là n'apparaîtront pas. Kil'jaeden va apparaître pour le coup, ça c'est sûr. Et vous allez me dire Archimonde, si, il apparaîtra dans les cavernes du temps, mais au final, bah, tous les boss que t'affrontes et la plupart des menaces de Burning Crusade ne sont pas la Légion Ardente en fait. Donc c'est assez drôle, c'est assez ironique. Encore une fois, on voit que c'est un contexte, parce que bah, c'est le problème de Burning Crusade. Le titre, c'est oui, la croisade ardente, tout ça, et qui tu vas affronter? Les Illidari, les Zul'jin et les Amani. Ok. Elle est belle ta Légion ardente. Attaquons la deuxième vidéo qui, elle, il y a beaucoup plus de choses à dire, donc je reviens, je vous laisse regarder ça et on en discute plus tard. On Draenor, the Burning Legion found agents in the Orcish Horde, manipulating them to conquer the planet. The Horde bled their prisoners' life essence in order to power a colossal portal. And through this passage, the invasion of Azeroth began. The First and Second War wrought devastation across the world. The Alliance eventually pushed the Horde back and attempted to destroy the Gateway. In an enormous explosion, their plan backfired, ripping a tear in reality and further linking their worlds together. 2 years after the Second War, the Shaman Ner'zhul ordered the orcs on Draenor through this tear to gather artifacts, including the skull of Gul'dan. Ner'zhul used their powers to open countless portals to other worlds. Overwhelmed by the magical strain, Draenor shattered, becoming Outland. Before Draenor was torn apart, the Alliance sent an expedition through the rift led by some of its greatest heroes. To spare Azeroth from destruction, they severed the portal between worlds. An act of sacrifice that trapped the heroes in the broken world now known as Outland. Alors là, c'est assez intéressant parce que du coup, on va revenir bien sûr pour ceux qui sont pas trop. Encore une fois, le fait que la vidéo n'ait pas été traduite en français, bah, je vais devoir faire la trad. Donc on va revenir là-dessus. Première apparition, on va faire exactement le même délire. Hein. Parce que là, il y aura beaucoup plus de choses à dire. Le premier plan, très important, nouvel artwork, celui-là n'est pas de Chronicles ou autre. C'est un artwork spécifiquement fait. J'ai oublié le nom de l'artiste et j'en suis désolé, mais c'est un très très bon artiste et qui fait de très belles choses et très souvent du coup pour Blizzard. Et ça a été demandé hein, par Blizzard, donc ça a été une commission de Blizzard et il l'a faite avec du coup l'ouverture de Burning Crusade. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, c'est un petit peu l'image des images qu'on voit de présentation des patchs pour classique. Je dis bien pour classique, donc 2000. 19, je crois que c'est ça, ça classique. Et au final, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit pas de. Du coup, c'est le même délire, c'est-à-dire qu'on voit des aventuriers équipés avec des armes et des armures de Vanilla qui affrontent un danger. Il y avait eu Skala contre Ragnaros lors de la sortie de classique. On a eu ensuite la même avec Onyxia, etc., etc. On a eu celui de Naxxramas qui était particulièrement dégueulasse à mon goût. Mais donc là, on reprend la même. Donc on met du Vanilla, un tauren avec Sulfuras dans la main, une elfe de sang, il y a des sangs, une elfe de sang avec Sundaran, donc c'est, j'ai oublié le nom en français, c'est une vent, un truc comme ça, non, j'ai oublié, mais bon, c'est l'épée, de toute façon c'est simple, c'est les épées, c'est une des épées les plus connues de Vanilla,
Et on a comme ça que du stuff vanillesque. Alors moi personnellement, je trouve que ça fait extrêmement tâche pour un artwork qui est magnifique. Pour le coup, l'artwork qui est magnifique. On te le met en version parchemin à la Diablo, comme j'en ai déjà parlé pour tout à l'heure. Donc je vais pas en revenir plus en avant. Là, on voit encore une fois pour à qui c'est destiné. C'est regardez, vous avez votre stuff de vanilla. Maintenant, il est temps de placer à Burning Crusade, quoi. C'est une intention de réalisation. Moi, je trouve que ça fait vraiment tâche pour l'artwork, mais c'est une intention de réalisation. Du coup, on revient sur l'histoire. Alors, la vidéo s'appelle The Dark Portal. J'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps en plus sur la porte des ténèbres, hein, The Dark Portal, et c'est toujours rigolo pour moi parce que bah, je m'attendais pas à ce qu'il y ait une vidéo là-dessus sur le Dark Portal, alors que je viens de sortir une vidéo sur le Dark Portal où je refais l'historique et je rappelle comment ça fonctionne. Alors, évidemment, c'est une vidéo d'une minute trente, celle-ci. Donc évidemment ils vont pas rentrer dans tous les détails, ce qui est compréhensible. Mais du coup, ils font le lien avec la vidéo d'avant, The Burning Legion, donc la Légion Ardente a trouvé des agents dans la Horde Orque, les manipulant pour pouvoir conquérir la planète. Et la Horde a saigné ses prisonniers. Ce qui est dommage d'ailleurs, c'est de pas revenir sur le truc avant en disant que c'est les Draenei. Ils précisent même pas le sang de qui, ce qui est dommage. Parce que c'était l'occasion aussi de faire le lien avec la vidéo d'avant et les Draenei. Tu dis qu'en fait, bah, les Draenei ont été traqués par la Horde. Ça marche un peu par épisode et au final, bah, ils font un lien, mais un lien qui n'est pas si propre que ça. Bon, c'est pas très très grave. Du coup, on voit la Horde. Ce qui est assez intéressant, c'est que là, il rappelle un petit peu comment fonctionne, il rappelle un peu comment fonctionnent les énergies démoniaques. Hein, ils vont utiliser les prisonniers, le sang des prisonniers. Bon, ils vont siphonner les prisonniers pour pouvoir ouvrir la porte des ténèbres, pour pouvoir, voilà, récupérer l'essence vitale afin de pouvoir ouvrir un colossal portail. Et oui, la plupart des gens oublient, hein, que le Dark Portal, c'est de l'énergie dégueulasse. Le film, pour le coup, l'avait très très bien réalisé, même si, je le rappelle, il n'est pas canon. Enfin, il n'est pas canonique. Pour le coup, ça représente très très bien la magie démoniaque. Hein. Quand tu utilises l'énergie vitale d'un mec, c'est rarement positif. Et ça a des complications. Ça entraîne des complications. Et grâce à ce passage, ils vont pouvoir lancer l'invasion d'Azeroth, du monde d'Azeroth. Ce qui est drôle parce que l'Azeroth n'a toujours pas été défini pour le moment. Alors, bon là, c'est une vidéo d'une minute trente, j'en parlais, ils expédient le truc. Hein. 1 minute 30, première et deuxième guerre, c'est pendant dévastation pendant la première et deuxième guerre. L'alliance contre-attaque, je rappelle que l'alliance n'existait pas sur la première guerre, hein, c'est une création à la fin de la première guerre justement pour préparer les autres royaumes humains qui ne connaissent pas, ne subissent pas le même sort que le royaume d'Azeroth qui s'est fait péter la gueule. Donc l'alliance, c'est toujours marrant parce que la plupart des gens oublient, hein, que l'alliance n'existait pas lors de la première guerre. Cet artwork qui est superbe, les fantassins humains, je les trouve très très jolis. Alors, j'en parle, enfin. On a l'impression que c'est les armures de Front de Guerre d'Arathi. Il faut pas oublier que les armures donc du BFA, mais les armures de Front de Guerre de BFA sont extrêmement inspirées de celles des fantassins de Warcraft 3 et 2. Donc en soi, c'est pas un problème à ce niveau-là. Un petit détail, si vous avez regardé la vidéo sur le portail, la porte des ténèbres, hein, le Dark Portal, normalement vous savez que cette apparence de porte est un problème. Alors on voit Khadgar qui est à l'avant et qui, avec d'autres archimages, fait péter le portail, ce qui est vrai, c'est ce qui s'est passé, bon pas ici, pas devant, parce que le problème c'est que si tu fais péter le truc ici, bah il y a tout qui te tombe sur la gueule et du coup tu meurs, donc t'évites de faire ça. C'est pour ça que d'ailleurs canoniquement il est en haut en fait d'une falaise et fait péter le truc d'en haut pour éviter qu'il y ait des morts en fait et des blessés. Hein, accessoirement on réfléchit un petit peu, mais là c'est pour la représentation donc pas de problème. Et le problème c'est surtout la porte. La porte n'est pas celle-là en fait. Ça c'est la porte des ténèbres de Vanir, pas celle qui a été reconstruite, pas celle de l'époque. Celle de l'époque, elle ressemble à ça, mesdames et messieurs. Et vous allez la connaître, puisque si vous faites Burning Crusade et le contenu de Burning Crusade, vous allez la voir dans les cavernes du temps, où il faudra aider Medivh à ouvrir le portail contre le vol infini. Contre le vol infini. Et du coup, ça, eh bien, ça, c'est le portail de la première et deuxième guerre. Et c'est d'ailleurs le portail que l'on voit dans Chronicles. Donc, car Chronicles n'a pas oublié ce truc-là. Ils ont oublié des choses, mais pas celui-là. Donc, mettre le portail de Vanya, c'est une erreur. C'est une erreur énorme, en fait. Puisque, bah, derrière. Enfin, c'est une erreur énorme. Vous allez dire, ah, oh, c'est du détail. Oui, c'est du détail. Le problème, c'est que c'est ce genre de détail qui fait que plus tard, on oublie, qu'on oublie, qu'on oublie, qu'on oublie, qu'un jour. Eh bien, l'apparence est qu'on fait qu'un jour un Chronicle bah, te parle de la première guerre avec l'apparence. Non, c'est important. C'est pour éviter ce genre de problème, justement. Ensuite, on te rappelle après la fin de la deuxième guerre qu'il y a
justement la horde de Ner'zhul qui va relancer le conflit pendant le... Mais après, généralement, on appelle ça quand même... Enfin, c'est l'extension de la Deuxième Guerre, donc généralement, on met ça dans la Deuxième Guerre. Là, ils font le choix de dire que c'est un événement qui s'est passé après la fin de la Deuxième Guerre, alors que c'est considéré quand même comme la Deuxième Guerre, même si c'est un second chapitre de la Deuxième Guerre, puisque c'est les événements de Warcraft 2, Beyond the Dark Portal. Donc, Ner'zhul est évoqué, hein, le chaman Ner'zhul orc va rassembler les orques en Draenor. Et il va faire en sorte de rassembler des artefacts, incluant le crâne de Gul'dan. Le crâne de Gul'dan, Ner'zhul va utiliser ce pouvoir. Ce qui est marrant, c'est que Gul'dan n'a toujours pas été défini. Ils auraient pu dire que c'est Gul'dan qui ouvre le portail. Tu mets un Gul'dan qui ouvre le portail et tout. Gul'dan, bon, tout le monde sait qui c'est apparemment, donc pas de problème. C'est pour ça, des fois, je ne comprends pas à qui cette vidéo est destinée. Soit c'est à des nouveaux et du coup, ils savent pas qui est Gul'dan, donc pourquoi. Soit bah, tu connais et du coup, t'as pas besoin de cette vidéo. je ne comprends pas. Mais bon, du coup, le crâne de Gul'dan, pas de problème. Là, on explique bien on explique bien le truc. Hein, Ner'zhul qui se sert de ses artefacts de pouvoir pour essayer d'ouvrir des portails vers d'autres mondes. Le problème, c'est que ça fout le bordel. Et il n'arrive plus à contrôler cette puissance. C'est oublié aussi l'intervention de l'Alliance quand même. Du coup, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va avoir un visuel de Ner'zhul qui est complètement what the fuck. Moi, j'ai été choqué parce qu'il parle de Ner'zhul et j'adore quand il parle de Ner'zhul. Hein, c'est un de mes personnages préférés. Mais c'est ni le Ner'zhul de Warlord of Draenor. On pouvait s'attendre au visuel de Warlord of Draenor. Hein, moi, je suis malheureusement assez pragmatique à ce niveau-là. Je m'attendais à un Ner'zhul de Warlord of Draenor, ce n'est pas le Ner'zhul de Warlord of Draenor, ce n'est pas le Ner'zhul de Warcraft 2, ni le Ner'zhul bah, présenté dans toute ailleurs. Donc, en fait, c'est qui? Non, parce que, je veux dire, Ner'zhul, c'est ça, hein. C'est le mec que vous voyez à gauche. Les grands signes distinctifs de Ner'zhul, c'est cette espèce d'immense crâne blanc sur sa peau verte d'orque. Hein, il n'est pas là. Il n'est pas là. Cette espèce d'énorme, pas crête, mais cette énorme queue de cheval, en fait. Là, il est chauve. Il a aussi ces espèces de petites barbiches avec également un peu de barbe. Là, il n'en a pas. Alors, il y a les dents. Il y a les dents. Ça, c'est pour le coup le collier de dents de Warlord of Draenor. Mais, enfin, genre, en fait, c'est qui ce mec, en fait? C'est pas Ner'zhul, ça. Je sais pas qui c'est. Alors, c'est dommage, quoi. Alors, vous allez me dire, oui, mais la queue de cheval, elle est cachée parce qu'il est comme ça. Non, mais vous avez vu la taille de la queue de cheval, en fait? Enfin, genre, tu verrais quand même au moins un bout de la queue de cheval. Et de toute façon, où est son crâne en fait? Ouais, on le voit pas trop. Machin. Non, c'est pas Ner'zhul ça. C'est pas Ner'zhul. C'est quand même dommage. Il n'y a aucun de ces signes distinctifs. Enfin bon, c'est pas grave. Là, par contre, ça va être beaucoup plus gravissime puisque comme Draenor, avant que Draenor parte en cacahuète, l'Alliance envoie une expédition à travers le portail, dirigée par ses plus grands héros. Parmi ses plus grands héros, pour éviter Azeroth la destruction. Pour éviter la destruction, ils détruisent le portail qui fait le lien entre les deux mondes. Et c'est pour ça que vous voyez le portail de Burning Crusade détruit à l'arrière. Ce qui est assez drôle, c'est que du coup, on vous montre ces héros, et ces héros, bah, on vous montre trois héros. Celui-ci, c'est Khadgar, celui-ci, c'est Thuralion, et celle-là, c'est Aleria. Donc on vous montre trois héros. Les Fils de Lothar, c'est une expédition. Hein. C'est connu pour être... Alors, les cinq grands généraux des Fils de Lothar, c'est simple, vous les avez devant la porte de Stormwind, la porte d'Hurlevent. C'est les cinq statues que vous voyez. Ça, c'est les Fils de Lothar. Il en manque deux. Petit problème. Petit problème, vous allez me dire, ah voilà, tu joues sur les mots, etc. C'est quand même énorme ce problème, puisque c'est une vidéo destinée à ceux qui vont jouer à Burning Crusade. Classique. Quand vous allez vous connecter à Burning Crusade, ces deux personnages-là, vous voyez, Thuralion et Aleria, ils sont pas là, en fait. Ils ne sont pas dans Burning Crusade. Ces deux personnages que l'on retrouvera à Légion. Et évidemment, alors Aleria, pour le coup, a son visuel qui est resté. Il y a eu des changements, mais globalement, son visuel entre Légion et Warcraft 2 n'a quasiment pas changé. C'est plus des choix de couleurs parfois, mais sinon, ça n'a pas changé. Par contre, Thuralion, lui, bah là, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup changé. Hein. Thuralion, alors moi, j'adore son armure, hein, il n'y a pas de problème. Mais le souci, c'est que ce n'est pas l'armure qu'on lui connaît. Ce n'est pas la coupe de cheveux qu'on lui connaît. En fait, là, c'est tout simplement le Thuralion de Légion, mais sans les cicatrices et la barbe. Et c'est bon, ça passe. Donc ça, encore une fois, ça sent le Chronicles Légion à plein nez. Et ensuite, on a Khadgar. Khadgar, si vous allez à Burning Crusade et que vous voyez Khadgar, alors... Ça dépend. Encore une fois, c'est si vous jouez à classique Burning Crusade, vous allez voir Khadgar. Khadgar ne ressemblera pas du tout, du tout, du tout à ça. Vous aurez l'impression d'être devant Antonidas, puisque c'était le modèle d'archimage de l'époque et de l'archimage de Warcraft 3. Donc il ressemble pas du tout, du tout, du tout à ça. Et pour aller encore plus loin dans la connerie, on lui met son bâton, on lui met Athiège. Le bâton qu'il a à Warlord of Draenor, puisque c'est l'apparence de Warlord of Draenor de Khadgar qui a été refaite.
Or, bah en fait, ce bâton-là, il le récupère à partir de Warlord of Draenor. Et vous savez qui a fait mieux? Alors que pourtant, il a fait beaucoup de bêtises. Hein. C'est Chronicle. Chronicle, voici le même arc, l'expédition en Outre-Terre. C'est bien, il rappelle aussi que Draenor, que l'Outre-Terre, c'est Draenor. Il y en a beaucoup qui l'oublient, donc c'est bien aussi de le rappeler. Et vous voyez, du coup, Thurallion avec l'armure qu'on lui connaît, on va dire, de l'époque de la Seconde Guerre, en jeune, bien entendu, l'épée de Lothar, cette armure avec le L de Lordaeron et tout, qui a été réutilisée d'ailleurs à Légion, puisque de toute façon, cet artwork date de Légion, puisque c'est Chronicle 2. Et Légion, avec la guerre de Milan, on revoyait encore cette armure sur Thurallion. Donc voilà l'armure de Thurallion. Khadgar, on le voit avec l'apparence de World of Draenor, bon, ok. Mais du coup, il y avait le bâton, et c'était pas Thiège, c'était un bâton d'archimage normal. Et d'ailleurs, c'est celui qu'il a dans Warcraft 2, si je ne dis pas de bêtises. On voit Aleria, pas de problème, mais on voit également deux autres personnages. Alors là, il faudrait peut-être que je vous les mette. Mais on voit un soldat parmi les fantassins, un soldat avec une barbe et des cheveux blancs. D'ailleurs, à l'époque, il n'est pas censé les avoir cheveux blancs, c'est plus tard. Qui s'appelle Danath, Trollbane. Donc Danath. J'ai oublié le nom en français. Donc Danath Trollbane. Et en haut, vous avez des chaussures de griffon. Et parmi ces chaussures de griffon, il y a tout simplement Curdran Wildhammer. Donc Curdran Marteau Hardy, qui est tout simplement le chef du clan, enfin du clan nain, l'un des plus grands clans nains, à savoir les Wildhammer. Et c'est lui qui va être bah, le nain que vous voyez devant devant la porte, enfin dans la porte de Stormwind, d'Hurlevent, pardon. Du mal avec le français, les noms en français. Et au final, bah, en fait. Ce qui est assez drôle et cocasse, c'est que du coup, quelqu'un qui va jouer Burning Crusade classique, bah, s'il cherche ce personnage-là, il le trouvera jamais en fait. Ce personnage-là, il le reconnaîtra pas parce qu'en fait, bah, c'est pas la même apparence, même si bien sûr c'est Khadgar, pas de problème, là il l'aura. Les deux autres personnages n'apparaissent pas à Burning Crusade. C'est d'ailleurs une sous-quête à un moment donné où en fait on voit le fils Arathor qui essaye de savoir où sont passés ses parents. Et bien l'un des deux manquants pour le coup, les deux autres personnages qui ne sont pas là, Curdran et Danath. C'est des personnages que l'on verra à Burning Crusade, qui d'ailleurs, un gros problème, c'est qu'ils n'ont pas été réutilisés depuis, ou alors très très peu. Danath, à partir de Légion, on le voit se bourrer la gueule dans une taverne. Heureusement, Battle for Azeroth, ils n'ont pas oublié Danath, et il revient sur le front de guerre d'Arathi, et Blizzard a canonisé le fait que c'est bien l'Alliance qui a gagné, donc normalement, Danath récupère Stormguard, sa patrie d'origine. Curdran, on le revoit un petit peu à BFA, mais pas beaucoup, il est plus là en tant que copain de Falstad qu'autre chose. Donc, au final, les deux grands fils de Lothar qui n'apparaissent pas, c'est les deux que vous verrez à Burning Crusade. Curdran, vous le verrez dans le bastion d'ailleurs Wildhammer, donc le bastion Marteau Hardy dans la vallée d'Ombre Lune, donc la vallée Shadowmoon. Et Danath, lui, vous le verrez au bastion de l'honneur, où il est tout simplement eh bien, le chef de l'expédition des fils de Lothar. C'est quand même un petit peu dommage de mettre deux mecs qui n'apparaissent pas dans l'extension. Et d'oublier les deux qui apparaissent dans l'extension, sachant que Danath apparaît un petit peu comme le chef de l'Alliance en Outre-Terre, avec la disparition de Thurallion et d'Aleria. Vu que Khadgar part avec les Naru, etc., il est beaucoup plus neutre. Danath, lui, fait vraiment le patron de l'Alliance à ce niveau-là. Donc c'est quand même assez hallucinant, sachant que, bon, la péninsule des Flammes Infernales, vous allez y rester un bon bout de temps, hein, donc vous le verrez, Danath. Donc, omettre Danath et Curdran, moi, ça me choque. Ça me choque énormément puisque c'est quand même les deux fils de Lothar que vous allez le voir le plus souvent avec Khadgar. Et bah on vous met Thurallion et Aleria parce que bah, c'est bankable, Thurallion et Aleria, tout le monde les adore depuis Légion. Moi je suis très content, hein, Thurallion et Aleria, c'est deux personnages que beaucoup de gens avaient oubliés au début de WoW. Et qu'ils soient revenus à Légion, c'est parfait, mais le problème c'est que bah, Danath et Curdran, ils sont à l'image de leur traitement dans World of Warcraft, inexistant quoi. Donc j'espère voilà, cette vidéo passera pas trop pour le vieux con qui en a marre de tout. Bien sûr que non, vous le savez que j'adore l'histoire de Warcraft, que World of Warcraft a eu des époques, des périodes très sombres, très difficiles sur l'histoire de Warcraft, enfin dans le développement de son histoire. Récemment, c'est bien mieux. Hein. D'ailleurs, la réutilisation de Thurallion et l'Alleria, moi je trouve que ça redonne un coup de jeune, c'est con parce que c'est du vieux, mais ça redonne un coup de jeune dans l'histoire avec bah, des mecs qui sont de la vieille garde, donc ils n'ont pas du tout la même manière d'appréhender les choses. Thurallion notamment dans son traitement de l'Alliance vis-à-vis de la Horde, Aleria pareil, hein, qui est genre une tueuse d'orques et qui hait les orques, normal, hein? Je rappelle quand même que les orques ont détruit sa patrie, hein? Zelda sang l'oublie un petit peu ça, mais les gens ont tendance à l'oublier ça. Du coup, c'est quand même assez intéressant parce que ça permet de mettre un petit peu le coup de pied dans la fourmilière. Et d'agiter les choses sans pour autant devenir des grands cons qui sont devenus fous et qui pètent un plomb. Donc ça, c'est assez intéressant. Le truc, c'est que du coup, là, on est sur l'histoire de Burning Crusade classique. Et en fait, ce que je vous ai montré avec ces deux premières vidéos, c'est l'histoire de Chronicles, donc l'histoire de Légion avec la création
enfin avec tout simplement l'histoire de la Légion Ardente qui au final apparaît un petit peu comme un ovni vis-à-vis de l'histoire de Burning Crusade. Et maintenant, là, on vous traite des événements de l'ascension de la Horde, Warcraft 2, en gros. C'est d'accord. Alors c'est bien, hein, parce qu'effectivement, la plupart de ces personnages-là, vous comprenez du coup pourquoi ils sont restés coincés du côté de Draenor, du côté de l'Outre-Terre. Mais au final, bah en fait, c'est pas l'histoire de Burning Crusade. Alors vous allez me dire, c'est que le début des vidéos, ça sent probablement d'autres vidéos qui vont arriver. Personnellement, je banque sur le fait que l'une des prochaines vidéos, ce sera sur les Illidari, donc probablement Illidan et les arcs de Warcraft 3, donc Keltas qui va aider Illidan et qui vont traverser l'Outre-Terre, etc. Et à ce moment-là, moi je vous dirais, bah écoutez, c'est Warcraft 3, ça. Ok. À quand l'histoire de Burning Crusade? Et j'ai vraiment le sentiment que ils savent tellement que c'est de la merde qu'ils sont obligés d'occulter le truc en essayant de faire oui, regardez, en fait, Légion, tout ça, c'est bien, hein, t'as vu, un petit peu comme Chronicles. Et du coup, dans la tête des gens, c'est bien. Et après, ils vont venir me voir en mode ah, mais tu critiques Burning Crusade, mais c'est trop bien Burning Crusade. Ah, mais ça, c'est pas Burning Crusade, ça c'est Légion, en fait. Et Légion a corrigé plein de conneries de Burning Crusade. Parce que pour le moment, et pareil, le fait encore une fois de remettre Thurallion à l'arrière, ça n'a rien à foutre là, en fait. Surtout avec les apparences de Légion, t'es en mode mais what the fuck? Qui mettent les fils de Lothar, pas de problème, mais où sont Dannat? Où sont... Enfin, en fait, je comprends pas à qui c'est destiné et je comprends pas le contexte, en fait. Je comprends pas le pourquoi. Et encore une fois, hein, vous pourriez me dire, oui, mais c'est l'histoire de Warcraft 2. C'est l'histoire de Warcraft 2, c'est pas Burning Crusade. C'est Burning Crusade en haut. Donc, voilà, c'est très bien ce que fait Blizzard, c'est très bien de mettre en avant l'histoire de l'univers pour rappeler aussi à ceux qui ne connaissent pas forcément d'où ça vient, etc. Mais en fait, pour le moment, ce n'est pas l'histoire de Burning Crusade. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous restez. Enfin, je vous invite bien sûr à rester toujours, on va dire, de garder l'esprit critique et de voir en fait que les images et ce qui peut être dit, bah en fait, parfois c'est un certain contexte qui est mis en avant. Encore une fois, là, c'est plutôt Légion. Du coup, voilà. Plein de bisous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. S'il y a des points que j'ai oubliés, n'hésitez pas à me le mettre. À les mettre dans les commentaires et autres. Si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Plein de bisous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. À plus dans le Nexus et merci d'avoir suivi l'actualité de Burning Crusade Classique. C'est beau. Salut, c'est Kil'Jaeden. J'espère que tu vas bien. Tu vas bientôt découvrir dans de futures vidéos le fait que je suis le grand méchant de Burning Crusade. bah non, on l'a. Bah non, en fait. Non, ça c'est dans Chronicles, ça. Ah bah oui, c'est dans Chronicles. Plein de bisous.